1804, ou pas là, ou même pas tout. Mais nous connaissons qui ça t'est passé, oui. Il y a un groupe esclave qui a gagné l'armée qui est plus puissant dans le monde là. Dans le moment, qui c'est l'armée française. Je ne vais pas parler des pays africains, de Congo, de Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, non. Je ne vais pas parler des pays d'Amérique latine, de Colombie, Venezuela, Cuba, non. Je ne vais pas parler des pays moins, Brésil, non. Je ne vais pas parler de la révolution noire dans les États-Unis, non. Je vais parler de la révolution haïtienne. Ak indépendance Haïti est le premier pays noir pour déclarer indépendance dans le monde. Vous comprenez ça, Ndoula? Vous comprenez l'importance ça? Tout peuple noir dans le monde commence à garder Haïti comme un exemple. Haïti a fait exemple pour tout peuple noir dans le monde qui a envie en révolution, qui a envie de liberté. En plus, le monde dit que la révolution ça fait un miracle. En pile le monde dit qui c'est bon Dieu, en pile le monde dit qui c'est voodoo. Quel que soit, ou quoi, vous comprenez ça tout là? Assurez-vous que ça, c'est très fier pour Haïti. C'est ça qui fait Papa Dessalines faire indépendance. Donc, moi-même qui suis un Brésilien, si moi-même j'ai un pile fait pour Haïti, pour l'histoire d'Haïti, pour l'histoire d'Haïti, donc, ou même qui c'est un haïtien qui a regardé la vidéo ça, ou faut qu'il soit plus fier pour payer. Vous comprenez? Il est fier le temps de la Dessalinienne. Il est fier le regarder le drapeau d'Haïti. Parce que Haïti, c'est un exemple. Tout pays net passe pour problème. Tout pays n'est pas un pays qui passe pour problème politique.